Le film que vous allez voir raconte la tragédie vécue par un groupe de 5 jeunes, en particulier par Sally Hardesty et par Frankie, son jeune frère handicapé. Cette affaire est d'autant plus tragique qu'ils étaient jeunes. Mais même s'ils avaient vécu très longtemps, jamais ils ne se seraient attendus ni n'auraient souhaité assister à une débauche de folie aussi macabre. Leur balade entre amis par cet idyllique après-midi d'été se transforma en cauchemar. Les événements de cette journée devaient mener à la découverte de l'un des crimes les plus bizarres des annales de l'histoire des États-Unis, connu sous le nom de massacre à la tronçonneuse. 18 août 1973. J'avais un chemin entre les deux granges, j'y descendais tout droit jusqu'au lac. Oh, j'en peux plus. Ah. Hello? Y a quelqu'un? Jusqu'au lac. T'entends ce bruit? Arrête! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut appeler la police. On n'a pas de téléphone ici. Je vais chercher le camion. Il y en a pour une minute. Il n'y a rien à craindre. Une journée sans pluie avec des températures avoisinant les 35 degrés. Cette nuit, les températures sont en dessous de 22 degrés. Il fait actuellement 23 degrés et un vent de sud-est souffle à une vitesse de 45 km. Du beau travail! Elle est mignonne, hein? Tu vas la fermer, abruti! Monte plutôt chercher ton grand-père, hein?